Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Compagnie of Heroes de Arden Assault. Et cette fois-ci, nous allons attaquer à la périphérie de Bastogne Utskirch, après avoir pris ciel. Profitez un peu. Oh, moins 10, bah, bah, le souci qu'il y a, c'est que le plus souvent, vous n'avez que des malus comme ça, vous prenez dans les dents. Mais bon. Et c'est la mission, il faut détruire les 5 camions de commandement ennemi. Mission vraiment, comment vous dire, ennuyante à mourir, à souhait. Que je déteste, ouais. Voilà. Viens de vous résumer cette mission. Non, plus sérieusement, c'est. C'est pas la pire de tous, mais c'est pas. Et en fait, à partir du moment que c'est des engagements dynamiques, j'apprécie pas. Bien. On a des véhicules de commandement allemands en approche. Ça va être un carnage, mais on doit les réduire en miettes. On doit les frapper vite et fort. Compagnie Baker, on y va. Attention à vos secteurs, on a des rapports d'avions ennemis sur la zone. Bon, ma force de compagnie, ce n'est pas 10 dans les dents, ça c'est génial. Vos rangers, c'est... On se moque de moi. Vous avez des Jaeger là. Ça va être dur. Mais bon, la map est plutôt adaptée à cette compagnie pour une grande raison. Les bois ici. Ranger et la compagnie Baker aiment bien là, parce que vous pouvez facilement contrôler les bois avec votre infanterie. Profitez-en. On a juste un souci, c'est que je n'ai jamais eu cette mission là sur cette map là. On a reçu pour ordre. Allez les gars, c'est parti. Va me dire bon. Fermez-la et écoute. Okay, ça pose un problème, ben un tout petit. Je ne sais pas où sont les camions. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Tenez-vous prêt. Allez, on a du pain sur la planche. On a un lieu. Vu que je ne sais pas où sont les camions, ça peut poser problème. Rentrez. Et faites vite. Bon les gars, préparez-vous. Regardez par là. Voilà des preuves de la grandeur. J'ai des ordres pour vous, soldats. Capturez et sécurisez la zone. Cette parcelle de bois infecte est à nous. Allez. Bon, comme on a vu, d'en avoir un au centre, ça c'est sûr. Mais après. Tenez-vous prêt. Écoutez, on a reçu pour ordre de capturer. Tant pis. Donc au sud, vous pouvez facilement barricader, donc au besoin, barricader. Hein. Quand je dis barricader, c'est vous pouvez empêcher tout véhicule de passer carrément. Bon, apparemment, déjà, bonne nouvelle, il n'y a rien dans la ville nord. Enfin, rien. Bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend du point de vue. C'est une bonne nouvelle, d'un côté, est-ce que vous pourrez vous permettre de barricader, notamment ici. Et faire en sorte que l'ennemi passe forcément là. Fermez-la et écoutez. Sans ça, que c'est une bonne nouvelle. On a reçu des ordres, Serge. On avance. Tenez-vous prêt, la position est à nous. Okay, les munitions, j'y récupère. La zone est à nous. Dépêchez-vous avant que les Panzers arrivent. Ouais, ouais, debout les filles. Restez groupés. On avance. Et il faut qu'on avance. C'est possible le plus rapidement possible, mais bon, ça on verra bien. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est que j'ai amélioré aussi, bien évidemment. Le fait de pouvoir bloquer les armes lourdes, c'est surtout pour bloquer les armes lourdes que c'est bien d'améliorer, force combinée. Après, bon, les cadences de tir véhicule plus rapides, c'est. Voilà, les deux raisons pourquoi vous pouvez vous permettre de l'améliorer. Le reste, c'est pas vraiment. J'ai pas envie de dire que c'est inutile. Mais c'est pas ce qui influence le plus. Le squad de Burst of Death, croyez-vous. N'essayez même pas affronter les Burst of Death avec votre infanterie standard tout seul. Enfin, à part si vous voulez vous faire massacrer. Démontage terminé, batterie parée. Courez par là-bas!
On se fait défoncer ici. Attention, dégagez de là. Repli. Normalement, à gauche, je peux plus passer maintenant. Et j'ai même mis mon canon de char aussi. Ça, c'est une histoire. Ils le sentent passer. Arrêtez-vous à cette position. Faites un bouton. Attention. Merde. À la taille. Les ordres. Repli. Le char allemand nous attaque. Je joue comme un pied, je m'en excuse. Je fais de la double. Ah oui, ça va être un échec cette mission, je vais perdre tous mes points, je perds des points effectifs pour rien. On est au complet. J'arrive pas à me mettre dedans. Nos fusiliers montés sont prêts à être mobilisés. À vos ordres. J'ai beau dire que je suis pas habitué à la map. On envoie des fusiliers montés en nombre dans votre secteur. Ne lâchez rien. Et que par magie. Bon, mais faut arrêter de se moquer de moi là! Putain, bah, mais c'est fait exprès là! C'est fait exprès! Allez, en deux vidéos différentes, ils me font deux fois le coup! J'ai pas envie de dire oui de temps en temps, d'accord, mais bon, ça me fait deux fois qu'ils me font le coup là! Et après, ne pas me dire que c'est pas Owen Murphy, hein, parce que là, je prends un point. Attends, deux fois le coup, on est deux différentes. Bon, on va récupérer l'essence déjà, ça sera déjà fou. Génial. Voilà, génial. Je suis dans la merde. Et comme par magie! Ah mais c'est pas possible! Ah mais c'est vraiment fait exprès! Ah mais là, je crois que ce jeu me prouve que Owen Murphy, c'est quand dès que je filme, c'est un carnage en fait. Des fusiliers montés arrivent en nombre sur le champ de bataille! C'est incroyable quand même, j'ai fait trois fois la campagne quand même. Je la connais par cœur, enfin quasiment par cœur, parce que comme par sur toutes les fois que j'ai joué les missions dynamiques comme par hasard, je n'avais pas de deux, j'ai toujours le même endroit. Si on accepte ça, ça pourrait être fait, c'est surtout que Liam fait des choses que j'ai jamais vues. Liam aurait chopé un cerveau quand même, vous imaginez? Sergent, déployez-les et équipez-vous qu'on sorte. Et incroyable, il y a avec un cerveau. Eh, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, j'aurais préféré que savoir avant, que je sois pas surpris, mais bon. Déjà, de savoir qu'il y a un cerveau, c'est déjà sympa. Honnêtement, ouais, ça. Enfin, il y a qui a un cerveau déjà, de 1, de 2, il y a chanceux comme tout. Voilà. Je sais pas comment je peux faire, Là, parce que là, clairement, je ne peux rien faire, strictement rien du tout. Ah si, je sais ce que je peux faire, gaspiller mes points de force pour rien. Ça par contre, ça je le fais très bien. Putain, j'ai envie d'enlever mon compagnie de ranger. Pour cette mission. Trouver une meilleure façon de le frapper. Voilà, j'ai fait le con. Voilà, on va prendre là. Sécurisé. Canon anti-char prêt. Prenez votre matos. Bon, honnêtement, ils peuvent se rusher jusqu'au bout parce que. Hein. Autant qu'ils continuent de tricher parce que. Je vous explique. C'est bon. On attend les ordres. En formation. Mettez ce fusil mitrailleur au centre. Message reçu. Mais bon. C'est normal, c'est normal, c'est normal et c'est normal. Sinon, ce serait pas marrant. Fermez-la, allons libérer quelques zones. Bon. Ok, vous
Nous, on va se manier de faire un Sherman. Puis après, ça devrait le faire quand même. Avion de chasse, allemand. Allez. Cette parcelle de bois infecte est à nous. Ici, on est bon. Au centre. Tenez-vous prêts, soldats. Bon. Ouais, 63 points de force, d'accord. J'en perds beaucoup trop. En route, on y va. Et ramenez cette Browning ici. Compris. On voit que le quartier maître nous a envoyé du nouveau matos. Des ordres pour vous, soldats. La zone est à nous. Les coupants prêts. Ceux qui survivent pas alors. Dépêchez-vous avant que les panzers arrivent. Ok, on se bouge. Allez les filles, on remballe. On se bouge. Ok. Steam qui fait des siennes derrière. Écoutez les gars. On va dire qu'on n'a rien vu. Hein. Le bug de Steam, c'est normal. L'interface qui s'est. Voilà qui est fait. Préparez-vous à y aller, les gars. Un point de capture est envahi. L'interface qui saute, c'est normal. Hein. C'est Steam. Un renfort de char est arrivé. Sherman paré. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Faites avancer ce truc. J'ai des ordres pour vous, soldats. Position marquée. Voilà qui est fait. Les Boches n'auront même pas le temps de réagir. Le barrage synchronisé attend les coordonnées. Maintenant que vous avez pris les Sherman, ça va que faire. En route, sortez toute la bordel. Ah mais comme par hasard. Quel heureux hasard quand même. J'ai perdu le moteur. Waouh. Je m'y attendais pas du tout, clairement. Prenez votre matos, on y va. Fermez-la. En avant. Finissons-en avec ça. Rien à botter les culs. C'est un moteur, ça se répare. C'est bien moins dérangé. On y va. On y va. Des ordres arrivent. Barrage de soutien. Tirez pour couvrir cette position. On s'y met, les gars. Hé, les gars. Le véhicule, on l'a eu. Préparez-vous. Je sais, j'y suis allé de manière bourrine, mais bon. Pilote, en avant. Où est ce fusil mitrailleur, bon sang? Ok, on se trouve. Nous perdons un point de capture. J'ai oublié. Les hommes doivent couvrir les approches. Vous savez avion quoi de chasse ennemi. On est sur des tirs. Ramenez votre cul. Repli. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Ramenez-vous. Mettez les gardiens de là. Le point de capture est envahi. D'accord. Non, j'ai rien dit. Par contre, les compétences, quand elles s'activent pas, quand vous les demandez, ça c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Autant qu'il y a une soie intelligente, qu'elle chope un cerveau dans la nuit, ou... Vous attendez quoi? Groupe de combat en soutien. C'est quelque chose. Mais autant quand vous demandez à une unité de faire quelque chose, mais qu'elle ne le fait pas sur le coup, ça c'est beaucoup plus dérangeant. Surtout dans un jeu de stratégie. Renfort de char est arrivé. Sherman paré. C'est un point que c'est non négociable avec moi, le jeu doit réagir au quart de tour quand vous donnez un ordre. C'est même pas à réfléchir. C'est comme ça que vous connaissez un bon jeu de stratégie d'un mauvais jeu de stratégie. On attend les ordres.
Je vous explique comment j'ai perdu un peu de temps, que j'en ai repris. Hein. Ah oui, si je suis bête. One Murphy. Ouais, je sais ce que vous avez dit dans les commentaires, faut que je me calme un peu, mais bon, ouais, c'est la vérité. On a beau s'entraîner le nombre d'heures qu'on veut, à chaque fois. Je me pose la question si je continue vraiment à m'entraîner à faire des vidéos, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien qui se passe comme prévu, c'est toujours à tout. C'est bon. C'est marrant deux minutes, mais si à chacune de mes vidéos, à chaque fois, Liam fait des choses qu'elle me fait jamais, ou des trucs comme ça, c'est bon. Hein. Je viens croire qu'il y a une coïncidence, mais bon, ça prouve deux choses. Un, que le jeu est mal équilibré, ce que j'ai déjà souligné plus... J'ai déjà souligné deux fois, quand j'ai fait le test du jeu, j'ai déjà souligné ça. Que le jeu avait un gros problème d'équilibrage, ça par contre, et un gros problème de difficulté. Non, je vous invite à regarder le test pour comprendre pourquoi il y a des gros soucis là-dessus, mais bon. Et avoir plutôt un autre avis dessus. Bah bon, sur minium.org, vous trouvez le test de Company of Heroes 2. Ardennes Assaut, au besoin. N'hésitez pas, si vous voulez donner l'information, commentaire sur le jeu. Bougez-vous le cul, go ! Attention ! Pourquoi ? La promotion vient d'arriver ! Avance, Dieu. Ok, les gars. Coordonnées. En position. Feu ! D'accord. Je viens de comprendre que j'ai écrasé la carcasse de char en fait. Je pensais pas que c'était possible. Enfin, je pensais pas. Je pensais pas qu'un char moyen pouvait. Pourtant, ce serait c'est logique. Frappez ce camion rapidement et puis ramenez-vous au QG. Les Allemands vont vouloir se venger. En fait, cette mission, c'est pour ça qu'il faut rapidement des unités anti-véhicules. C'est, vu qu'ils ont tous les bâtiments, il faut rapidement produire des véhicules en fait. D'où pourquoi compagnie de Ranger est la plus adaptée. Allons dans ces lignes ennemies. Le renfort de char est arrivé. Sherman paré. Oh, disposez le fil d'ici à là. Tout le monde dehors. Allons-y. Au boulot. Fermez-la. Arrête-toi. Finissons-en avec ça. Pilote, en avant. Vous autres restez aux aguets. Équipe est blindée. Allez. Entrez. Camion automatique en approche. Paré. Envoyez. Voilà qui est Sherman. Préparez-vous à y aller. Emmenez-nous là-bas. Pas de temps à perdre! Nous perdons un point de capture. Vous savez quoi faire. Ne perdons pas de temps. Lancez maintenant! Voilà. Ça risque de chauffer. Et continuez d'avancer. Dans le vide! Fichez-vous avant que les Panzers arrivent. Rentrez tous! Remets-vous! Bon. Là c'est bon, et on a passé le passage le plus dur, hein. On a nos véhicules. Par contre, j'ai appris une chose, c'est qu'apparemment l'expérience des compagnies a été revue. En gros, c'est beaucoup plus facile de gagner des gains en dessous. Parce qu'avant, quand vous étiez, j'avais une compagnie déjà grade 1, vous étiez super content. Maintenant que vous avez une compagnie grade 1, c'est...
c'est négligeable quoi. C'est... Par contre c'est vraiment un très bon point ça. Et il faut que je glisse un peu une autre patte, je sais plus c'est quoi ce qui... Je sais qu'il y a une histoire de... De force. Je sais pas si c'est lorsque vous captez. Oh je verrai bien. On regardera bien plus tard, ça c'est. On va pas se prendre la tête avec ça tout de suite. J'ai déjà pris assez la tête avec la Super IA. Par contre, ce qui est vraiment dérangeant dans ce jeu, c'est qu'ils ont toujours pas compris qu'il y avait un bug assez dérangeant. C'est que les Américains peuvent dépasser facilement les 200 pop avec deux blindés. J'ai déjà fait. C'est pour ça que je le dis. Et c'est vraiment dérangeant. Les Américains peuvent facilement avoir 4-5 chars contre 1. Essayez une attaque en tenaille sur ce half-track. Frappez-le des deux côtés. Cible détruite. L'ennemi attaque une de nos positions. Après, d'un côté, c'est normal. Les Américains sont sur un nombre de points, c'est que du fait qu'on peut faire descendre l'équipage des véhicules. L'équipage coûtant moins cher que véhicule, vous pouvez artificiellement modifier votre population. Et même avec plein, vous pouvez facilement récupérer plein de chars ou ennemis. Donc vous pouvez en avoir 3, alors qu'ennemis ne pourra en avoir qu'un. C'est là où il y a un gros souci, c'est que vu que les Américains sont la seule nation où vous pouvez faire sortir les équipages, faut bien leur donner un avantage. Je suis rien contre le fait qu'ils aient cet avantage là. Mais il faut rééquilibrer, il faut quand même rééquilibrer cette histoire quand même. Les obusiers, les 105, prêts? Feu! Voilà. En avant. On les a bien calmés. Mais on va devoir continuer pour faire bonne mesure. Les Boches ont coupé notre ligne de provision. Les unités de front sont à sec. C'est pas grave. La mission va être terminée. On voit quelqu'un ou principal sur eux. Pas vu, compagnie de ma maintenant, c'est bon. Les camions de commandement allemands sont éliminés. On a réussi. Déplacez-vous vers cet endroit. Putain, en plein dans le vide. Un point de capture est envahi. Bon. Mission terminée. Pas trop tôt. Au moins, j'ai prouvé deux choses. Un, que ne jamais laisser les ennemis s'accumuler. Deux, que ça peut vraiment être compliqué. J'ai qu'une médaille de bronze. Hein? Bizarre. Oh, pas grave. Donc, la compagnie Fox, moi, comme je l'ai dit, elle est déjà améliorée, comme je voulais. Donc, il reste plus que la compagnie Doc que je peux améliorer à mon goût. Je vais déjà faire ça. Honnêtement, j'ai amélioré uniquement que ça. Après, j'ai plus besoin d'améliorer, je garde un point pour autre chose. Ouais, cette mission elle va être bien par contre. On va faire dans le prochain épisode, on va faire Stavego, Gesvax. Après Saumon, Stoumon, on verra plus tard ce que j'en fais. On verra bien. Donc, comme ça, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.